Bonjour tout le monde, c'est Néovent, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de The Cave. Hop, je vire la souris. Et on se retrouve pour le niveau de l'aventurière. Allez, on est parti. Hop là. Déjà, faut faire passer tous ses potes. Alors l'aventurière, son pouvoir spécial, c'est de s'accrocher, on va dire, à des espèces de statues avec son fouet. Un peu à la Indiana Jones. Hop là. Alors. Là, on voit qu'il y a des trucs, mais on peut rien faire pour le moment. Ou alors, je me souviens plus de ce qu'il faut faire. Oula. Hop là, on a un. Comment ça s'appelle? Un petit message pour raconter l'histoire d'un des personnages. You know, it's sad, really, when you think about all the grave robbers who have plundered these ancient marvels of engineering in search of priceless treasures, ruining it for future generations of grave-robbing treasure plunderers. Voilà. Hop là, on peut passer au-dessus du trou. Could it be? The others gave up all thought of your return. Only I held out hope. The sarcophagus is near. Soon we shall share in the glory of our discovery. Alors, just between you and me, I don't think share is in her vocabulary. Neither is ultra crepidarian. But a lot of people don't know that one. It's not as ubiquitous as sarcophagus. Alors déjà, hop, je vais placer cela. Normalement, je vais pouvoir les placer, mais je me souviens plus exactement où. Hop. Non, c'est pas là déjà. Oups, je vais mourir. Voilà. Alors l'aventurière, pour resituer un peu le pitch, c'est... L'aventurière est une personne en fait qui est dévorée... enfin, elle veut avoir toute la gloire, elle voulait trouver un trésor et avoir toute la gloire, etc. 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 Alors voilà, c'est là, hop. Le lapin. Hop, maintenant il me faut le troisième personnage. Il me semble que c'est par là. Ouais, c'est par là. Hop, voilà. Bon, maintenant je récupère l'aventurière. Et je vais voir ce qu'il y a de ce côté-là. Je me souviens plus, ça fait un moment que je l'ai fait ce niveau-là. C'est pas de là où je viens, ça? Alors, tour de la grotte, on ne peut pas avancer parce qu'il nous faut une croix d'Ankh. Ah non. Many believe the Ankh is an ancient Egyptian symbol of life. Some archaeologists would kill to find an example in such pristine condition. Oh, not the adventurer, let me assure you. She reserves such extreme measures for a worthier prize. Voilà, il est avide de trésors en fait. Alors, là on peut pas passer. Hop. Non, tombe pas, s'il te plaît. Merci bien. Alors normalement, là, je dois pouvoir passer. Oui, voilà, c'est vrai. Hop. Donc, on met ça là. Bah non. Je t'ai pas demandé de faire ça, pose-le sur le piédestal, voyons. Alors là, voilà, il y a le lapin. Hop. Et les deux autres, ils se sont cassés la gueule. Voilà. Mais vous inquiétez pas, on les délivrera juste après. Hop, alors là j'ai besoin du lion et du serpent, donc on va placer nos compères pour qu'ils se mettent sur le lion, hop. Et non, pas elle, lui, le serpent. Voilà. Ça c'est bon. Alors ensuite, juste l'espèce de fennec, le truc à la Osiris là. Hop, et lui, on le met sur rien. Voilà. Alors là, il faut la grue. La grue, la grue, la grue, la grue. Hop. Et on retire le chevalier. Allez, vite, vite, vite. Voilà. Là, il faut juste le serpent. Hop.
Le serpent. Voilà. Et le chevalier, ben normalement c'est bon. Voilà. Alors le problème là, je sais pas si vous voyez, mais il y a une plaque à pression. Et regardez le dessin, en fait, ça veut dire qu'il y a des pointes qui vont descendre. Mais en fait, ça, ils vont descendre sur les deux autres. Je vais vous montrer pour celui-là. Hop. Voilà, ça fait descendre des pointes du plafond. Those spikes definitely weren't there a moment ago. It seems the adventurer's companions have gotten themselves into a tight spot. Fortunately, they have all these pressure plates to jump on. You know, when you're stuck in an ancient curse-ridden death trap, it usually helps to jump on everything you can. Also screaming. Screaming helps. Hop là. Donc là, faut faire attention, pareil. Voilà, là je suis tombé dessus. Le problème, c'est que si je continue, the situation becomes ever more perilous for our two entombed friends. Those spikes are getting awfully close. Do you think the adventurer knows? Actually, I think the real question is, does she care? In case you're wondering, that was a rhetorical question. Ah, ben je suis mort. Allez. Alors normalement il y en a une troisième, voilà là, il faut faire attention de pas aller dessus. Ah, voilà. The lost sarcophagus of the Pharaoh Taharqa. Ooh, great misfortune is said to fall on those who disturb his slumber. You know, locusts, boils, peanut allergies, that sort of thing. N'importe quoi. Alors faut que je mette le chevalier sur le serpent. Hop. Hop, faut bien que je fasse attention de pas tuer mes amis. Ça c'est un peu du travail de brute épaisse quand même. Alors ensuite il va falloir que je mette le sarcophage là-dessus. Hop. Voilà. Là, voilà. Il faut qu'il est passé, il faut que je descende. Hop, alors là, il faut juste le fennec. Vite, non, trop tard. Hop là. Alors là, il descend. Non, je continue. Hop. Voilà. Allez. Voilà, ça c'est la partie entre guillemets la plus difficile. Hop là, j'ai un truc. Je vais pas la voir. Voilà. Les images, je vous les montrerai à la fin. Hein, ce sera quand même plus simple. Alors, le dernier, c'est quoi? Oh, c'est le lion. Donc, ok, il faut que je me mette un côté du lion. Mais non, c'est bon, il y a le mec là. Ok. Donc, on va remonter. Et on va recommencer. Alors, moi, généralement, je mets toujours 2 ou 3 tentatives avant de réussir. Pas que ce soit difficile, mais... Allez, dépêche. Sachant que si je déclenche le... Comment s'appelle la porte trop tôt... Le sarcophage remontera parce qu'il sera bloqué. Ooh, et voilà. Impressive. The adventurer does know how to get out of a tight spot, but the rest of her escape may not be so clean. Splendid. You've liberated the sarcophagus from its ancient vestibule. Give me a moment to disable these blasted spikes. Attends, mais je vais t'aider à les désactiver. If I try this here, and Englishmen would never add this many spikes. It's unseemly. Bon, c'est ignoble, mais comme chacun des personnages est une espèce de grosse enflure, on peut pas y couper. Put all these spikes in here. Au revoir. Et voilà. C'est triste quand même.
No doubt that was entirely accidental. Bien sûr, c'était tout à fait accidentel. Et voilà. À plus. Alas, now the adventurer herself is trapped. And without the sarcophagus, her former collaborator, or her current lucky companions, I fear the situation is hopeless. Oh, I wasn't planning on wrapping up her tale so soon. But I may have little choice in the matter. Alors maintenant, bon, on peut plus sortir, on est bloqué ici. Alors on a trois interrupteurs. Et on a des espèces de symboles sur le mur. Alors là, il va s'agir de... d'arriver à choper... En fait, je me souviens plus comment on sort de là. Comment est-ce que je fais déjà? Est-ce que c'est ça ou pas? Ah mais ouais, ok. Alors il faut que je fasse ça, plus le serpent et le fennec. Hop. Allez, serpent. Fennec. C'était pas celui-là, c'était pas la bonne combinaison. Ah, il faut que j'ouvre les trois en fait, ok. Je me souvenais plus. Alors ça, ça va être plus... le lion et la grue. La grue, hop, le lion. Voilà, le dernier. C'est le lion et le fennec. Ok. Voilà. Toi, t'es bien placé. Et toi, tu vas te mettre... Ah zut, j'avais oublié que je pouvais pas sauter. Impeccable. Voilà. Bon maintenant, hop, on descend par là. Hop là. Voilà. Plutôt facile, non? Abriti, va. So our band of three pulled together. I couldn't devise a better team-building exercise myself. There was a bit of collateral damage at the end, but let's call it a win. Alors, là, hop, on a un symbole. Voilà. Et je me souviens plus ce qu'il y a en dessous en fait. Hop. Ah ok, il n'y a rien. Hop là. Alors là, je pense qu'on va passer à une autre zone. Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'on arrive là? Ouais, je vois. Donc on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Allez, à plus les gens, ciao.